Il est presque exclusivement transmis par la piqûre du moustique. D'homme à homme, c'est possible si un moustique pique un homme en phase de viremie, donc il y a assez de virus dans son corps pour pouvoir infecter le moustique, et le moustique peut le retransmettre. Donc, il peut passer de l'homme à l'homme, mais par le biais du moustique, pas par... Presque exclusivement par le biais du moustique. Je dis presque exclusivement parce qu'en fait, il y a eu deux cas, sur tous les cas qu'il y a eu, de transmission, un cas de transmission sexuelle aux États-Unis. Et on a mis en évidence la présence du virus du Zika dans le sperme d'un homme en Polynésie. Mais